Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de PMA. Qu'est-ce que c'est un test de PMA? C'est un test où toutes les 2 minutes on rajoute 30 watts. Ça sert à savoir où tu en es dans ton niveau, dans ta forme actuelle. Ce qui est important, c'est surtout de faire un test de PMA quand tu débutes la saison, comme aujourd'hui. Là ça fait 2 entraînements seulement que j'ai repris sur route, donc je suis au plus bas de mon niveau. L'important c'est donc de faire un test au plus bas, voir combien je suis, et après de refaire un test quand je serai bien entraîné, voir si j'ai progressé. C'est ça l'important d'un test de PMA. Ici on va commencer à 100 watts et on va augmenter toutes les 3 minutes de 30 watts. Donc autant vous dire que ça va être long, ça va être dur, ça va être fastidieux, mais on va tout faire pour battre le record de la dernière. La dernière, en début de saison, à la même période que là, à la reprise des entraînements, j'avais fait 340 watts. Et en milieu de saison, j'avais fait 370 watts. J'étais pas hyper en forme. Donc ça donne un ordre d'idée. Je sais que je peux faire entre 340 et 370. Si je fais moins, c'est que je suis moins bon que l'année dernière à la même période. Si je fais plus, c'est que je suis vraiment en forme. Ce qui serait étonnant. J'ai un peu peur de commencer parce qu'après, j'ai plus le droit de m'arrêter jusqu'à temps que je craque. Et quand je vais craquer, c'est que je serai complètement mort. Vous allez me voir souffrir ce soir, les amis. Vraiment, ça va être jusqu'au temps que je sois minable. Et si je suis pas minable, c'est que j'arrête pas. Mon entraîneur, c'est le Tax Flux S-Max. Bon, les amis, c'est parti. Allez, c'est parti, les amis. Merci, Bastien, pour ton abonnement. Hop là. Au début, c'est 100 watts, donc c'est très très facile. Comme vous pouvez voir, là, je suis déjà à 200 watts sans faire exprès, donc je vais ralentir, en fait. Je suis parti trop fort. Donc là, je suis trop haut. On va descendre. Bon, comme vous l'avez peut-être vu, j'étais en live sur TikTok quand j'ai fait ce test de PMA. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon compte TikTok, je viens de le lancer. Il monte progressivement, donc n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse. Donc là, on part sur un test de PMA. Forcément, le début, c'est facile, mais ça va être de plus en plus dur et vous allez voir que ça va faire très très mal. Je vais être complètement à bloc, mais c'est le but de l'exercice. Et du coup, comme vous voyez dans le jeu, je sais pas si vous voyez, mais l'arche que je vais rejoindre là, ça symbolise la fin du panier. Et le début du prochain niveau. Mon prochain vélo, ça sera un Yabigo, mais il sera à disque. Tu arrives au panier 280 watts, tu trouves ça simple, et d'un coup, à 310 watts par exemple, d'un coup, tu trouves ça hyper dur, et t'es en mode, tu passes du truc où tu te dis, oh, c'est facile, on va tenir longtemps, et d'un coup, tu te dis, waouh, en fait, je vais bientôt exploser. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu augmentes de 30 watts, tu dois tenir 2 minutes. C'est pas long, 2 minutes. Mais tous les autres paniers que t'as fait avant, tu les as encore dans les jambes. Et c'est ça qui est dur. Bon allez, 15 secondes pour finir le panier des 190 watts. Allez, palier 220 watts terminé, on attaque 250 watts. Encore 50 secondes pour ce palier. Vous explosez les likes en tout cas, merci beaucoup. Allez, palier suivant, 280 watts. Allez, 15 secondes. Il reste 2 paliers à atteindre pour valider mon objectif. Allez, 310 watts à partir de 20 ans. Never an option.
j'ai validé les 340. Ah ouais, mais... la reprise c'est dur les amis. J'ai atteint mon objectif mais au moral. Autant vous dire, j'étais vraiment à bloc. Bon les amis, fin du test de PMA comme vous pouvez voir. J'ai eu un peu chaud. J'ai validé les 340 watts, c'était l'objectif initial comme je vous l'ai dit. Donc je suis content, j'ai fait exactement comme l'année dernière à la reprise. Faut savoir que l'année dernière j'avais pas fait de coupure. Et là j'ai fait 3 mois de coupure. Enfin j'ai fait les courses de cyclocross le week-end mais je m'entraînais pas du tout pendant 3 mois. Donc en fait 340 c'est vraiment pas mal après 3 mois sans entraînement. Donc je suis plutôt content. La prochaine fois on essaiera de battre ce record quand on fera le test de PMA avant la reprise des courses. Donc d'ici un mois et demi on refera un test de PMA et on testera pour voir un petit peu si j'ai progressé par rapport à ces 340 watts. J'espère. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.